Revoilà un petit chinois, Kaizu. Alors lui, il fait partie de l'équipe championne du monde par équipe en 2006. Il a fait premier au sol et deuxième à la barre fixe aux Jeux asiatiques à Doha. Dans cette même année en 2006 aussi. Et là, on attaque très fort. Il fait la même erreur. C'est incroyable. C'est la même erreur que le japonais. Ouais. Terrible. Alors. Et cette combinaison, c'est là où encore a eu un problème. Donc, Yann Kuchra. Et en fait, on voit que c'est quelque chose vraiment de difficile, hein, cette liaison. Il suffit d'être un petit peu désaxé et qu'on ne puisse pas rattraper la barre. Et tout de suite, derrière, c'est impossible à rattraper. On va recommencer. Bah, ils sont tout jeunes, ces petits chinois. Il manque 19 ans, lui. Voilà, il manque un peu d'expérience. Et puis, c'est ça aussi, les tournois de Coupe du Monde, ça sert à ça. Alors, vous disiez, vous, Isabelle, que les Chinois, vous envoyez plein des nouveaux tout le temps. Oui. Ce sont jamais les mêmes, en fait. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a toujours qui sortent d'une boîte, qui sont pleins. Et quand il y en a un qui n'est pas là, il y en a un autre. Voilà. Par contre, là, ça devient complètement difficile. Il a du mal à se reconcentrer. Tout à fait. Et là, il va y avoir un lâcher en Jägerbrick, magnifique. C'est fantastique. C'est un très très beau lâcher, mais alors, bon, il nous fait des choses très bien et des choses beaucoup moins bien. Et là, un deuxième lâcher en Jäger tendu, amené du tourné dessous. Et la sortie en double salto arrière tendu, double vrille. Tombé avec là, une petite roulade à l'arc. Qui va lui coûter très cher aussi. Ah oui, non, là, il y a des choses qui sont très très bien, mais ouais. On voit que ça manque vraiment de pratique et d'expérience. Tout à fait. Et pourtant, les lâchers difficiles sont quand même bien maîtrisés. Il est déçu, le pauvre. Il a fait quand même des choses très très bien. Ce lâcher là en Yervi, j'espère qu'on va le revoir. Alors là, on le voit un petit peu en difficulté. Et là, voilà, de la prise vitale. Ah, on a retrouvé le lâcher. Revenons en difficulté, oui, alors ça c'est vrai que on peut se ralentir. Les gens s'adhèrent. Et là le Jäger tombe. Alors, la sortie où il a été vraiment très très court sur la sortie. Oui. Hein. Il se regarde, ça le fait sourire. C'est bien. Il est allé voir la petite chinoise Fanny. Il est retendu encore. C'est très difficile, c'est lâché en avant chez les garçons, il n'y en a quand même pas énormément. Bon, ça va. Il reste confiant et content. Donc voilà pour la barre fixe. Alors l'Italien Igor Cassina est premier. L'Américain deuxième. Nous sommes ravis d'avoir passé l'après-midi avec vous.